Donc, suite à l'assassinat du chef du Hamas, il y a une réponse non seulement iranienne, mais de l'axe de la résistance, ce qu'ils appellent l'axe de la résistance, donc c'est l'Iran, l'Irak, le Hezbollah, etc., qui va certainement intervenir. Et d'après les analystes internationaux, aujourd'hui, eh bien, l'Iran n'a pas d'autre choix. Non seulement l'Iran, mais l'Iran et ses alliés. Je vous ai fait un petit condensé de ce que les experts internationaux, mais spécialisés du Proche-Orient et des gens de sur place qui vivent ça et pas des mecs de chez LCI sur les plateaux télé, pensent de tout ça et à quoi on devrait s'attendre. Mais avant ça, les amis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Si vous êtes sur YouTube, il y a le lien en description de ma nouvelle chaîne YouTube Charb Actu. Ça permettra, si jamais on est coupé, d'avoir une chaîne de secours, une chaîne secondaire. Allez vous abonner. Donc cette fois-ci, la réponse attendue de l'Iran et de ses alliés est inévitable parce que, eh bien, ils ont atteint ce qu'on appelle un point de non-retour et ils sont du coup obligés de répondre cette fois-ci, bah, pour préserver la face et pour prouver qu'ils sont une puissance protectrice de ce qu'ils appellent l'axe de la résistance. Donc eux se prétendent comme étant l'axe de la résistance et les Iraniens sont en tête, c'est le fer de lance de cet axe de la résistance et ils n'ont pas d'autre choix de répondre cette fois-ci pour montrer que toute action hostile sur le territoire iranien sera désormais confronté à une réponse forte. Après, c'est l'ampleur de la réponse qui reste cruciale parce qu'elle va déterminer justement le sort de l'ensemble de l'axe de la résistance après avoir justement reçu ces deux gifles. Rappelez-vous l'attaque de l'ambassade iranienne et là, l'assassinat d'un des grands commandants du Hezbollah, 30 ans hein, quand même, un bras droit du patron du Hezbollah, de Hassan Nasrallah, et d'Ismaïl Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas. Donc que disent les experts? Eh bien selon les experts internationaux, cette réponse semble quand même mener à une confrontation totale, avec un grand conflit qui va se dérouler entre une guerre d'un côté, puis les efforts diplomatiques de l'autre. Et Netanyahou, justement, a réussi cette fois-ci à renverser la situation. Alors, il l'avait déjà un petit peu renversé avant, mais là, c'est beaucoup plus prononcé parce qu'il vient d'obtenir l'accord de Washington. Avant, Washington essayait de le retenir. Là, il a choisi sa cible avec précision et a fait justement d'une pierre deux coups en choisissant de liquider d'une part Fouad Chukr, c'est le patron, c'est le commandant du Hezbollah qui a été tué et qui était recherché par les Américains. Donc, c'est un petit peu une espèce de cadeau qu'il a fait aux Américains. Donc, il a gagné l'approbation des Américains qui l'ont dit clairement qu'ils se tiendront aux côtés d'Israël en cas de riposte possible de la part du Hezbollah. Ça a été clair et net. Et les experts ajoutent, je cite, dès que Israël a frappé la banlieue sud de Beyrouth et juste avant l'assassinat de Haniyeh, Washington a rapidement envoyé ses navires dans une démarche indiquant que toute riposte de Téhéran, de ses alliés, sera confrontée avec force. C'est clair, hein? Et les experts précisent que ces navires de guerre ne sont pas là pour frapper le Hezbollah, mais pour dissuader toute attaque iranienne avec des missiles, des drones, etc., en direction du territoire israélien, comme ça a été le cas lorsque Téhéran avait décidé de répondre à l'attaque de son ambassade à Damas, rappelez-vous. Ils nous disent aussi que l'Iran a levé symboliquement le drapeau rouge, mais a en même temps levé le drapeau blanc. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, le drapeau rouge est là pour la vengeance après l'assassinat de Haniyeh, donc le patron du Hamas, sur son territoire. Tandis que le drapeau blanc représente la reddition face à l'arrêt des opérations de sécurité et de renseignement israéliennes qui ont réussi justement à percer le mur de sécurité de Téhéran. Et il nous précise également que ce n'est pas la première fois que le régime iranien est infiltré parce qu'Israël a déjà réussi plusieurs frappes sur le sol iranien. Reprenez un petit peu dans l'histoire ce qui s'est passé, l'histoire contemporaine, vous allez voir que ce n'est pas la première fois, ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Et donc du coup, les experts s'attendent à ce que la réponse iranienne bah, soit une réplique selon le concept de l'unité des fronts, c'est-à-dire une réponse conjointe de Téhéran et de ses alliés dans la région, avec le lancement d'un grand nombre de drones, de missiles, bah, depuis le Yémen, depuis l'Iran, depuis l'Irak, depuis le Liban, et en direction d'Israël, et pourquoi pas la Syrie. Alors Washington va pas permettre ça, c'est clair, même les Occidentaux, et une telle riposte bah, va mettre Téhéran justement face à une confrontation totale potentielle. Avec qui? Avec les Américains et le reste. Ce qui va l'entraîner dans une grande guerre qui plongerait la région dans un chaos total. Mais la question qui demeure, est-ce que aujourd'hui l'Iran et ses alliés de la région sont capables de supporter ça? Sans l'appui des Russes, je pense que non, c'est clair et net. Donc est-ce qu'ils vont s'engager dans une riposte vraiment fracassante ou dans le même genre de riposte symbolique, entre guillemets, comme ils ont fait suite à l'attaque de leur ambassade à Damas? Là est la question. Voilà les amis ce que pensent les experts de cette histoire.
Seul l'avenir nous le dira. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, commentez, likez et partagez. Merci de m'avoir suivi. Et moi, je vous dis à très bientôt.